Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Wakeman Spirit. Alors aujourd'hui je vous propose un gameplay en forme thématique sur la bataille des Ardennes. Donc c'est un gameplay que j'ai fait avec le Tigre 1, le H1. Donc ça va être assez intense, vous allez voir. Donc j'ai décidé de faire une petite séquence thématique sur l'offensive des Ardennes. Donc pour le côté histoire, donc ça débute le 16 décembre 1944. Donc le but des Allemands, c'était de désorganiser les deux armées anglo-américaines. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'était le port d'Anvers, puisque les Allemands estimaient que s'ils arrivaient à reprendre le port d'Anvers, évidemment, ils coupaient les deux armées anglaises et américaines, ils les séparaient. Et surtout, en prenant le port, ils les empêchaient ensuite d'avoir des ravitaillements pour longtemps. Ce qui aurait modifié en profondeur effectivement l'avance anglo-américaine sur les frontières allemandes et qui aurait pu effectivement laisser le temps à l'armée allemande de se réorganiser et de prévoir peut-être même de nouvelles offensives pour pouvoir leur permettre de changer le cours de la guerre. Donc c'était vraiment le tout pour le tout. En plus, ils ont vraiment tout misé sur le temps, c'est-à-dire que la météo était bien choisie à ce moment-là, puisque le ciel était complètement bouché par un épais brouillard, donc ce qui leur laissait l'équivalent de 4 journées à peu près pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, ce qui est quand même assez court, puisque ils savaient très bien que si jamais l'aviation alliée reprenait les airs, c'était foutu. Hein. Ils avaient bien subi en Normandie la destruction de la plupart de leurs unités blindées par l'aviation. Donc tout ça a été vraiment calculé dans un temps très court. Mais évidemment, les Ardennes en hiver, ce n'est pas les Ardennes que l'armée allemande a traversé pour attaquer la France. Donc ils se sont retrouvés très vite embourbés dans des chemins qui étaient trop compliqués à traverser à cette période de l'hiver. Et du coup, leur offensive a été mise à mal. Et puis ensuite, bon bah évidemment, une fois que le ciel est redevenu clément, l'aviation a fait son travail et puis la bataille s'est éternisée quand même jusqu'au 25 janvier, donc avec beaucoup de pertes des deux côtés, et surtout pour le côté allemand, ils ont perdu plus de 600 chars dans l'opération, beaucoup d'avions, donc c'était vraiment vraiment l'offensive de trop pour eux. Et ensuite ils ont pu que se mettre en défense et attendre l'ennemi directement chez eux. Et voilà, donc aujourd'hui c'était le petit cours d'histoire, on va dire. Donc on va revenir au jeu. Donc là évidemment je suis en Tiger 1, évidemment je vais pas me jeter dans les rues au milieu. Je l'ai déjà expliqué face aux Américains dans le jeu. Hein. Il y a trop de joueurs qui utilisent les M18 qui sont beaucoup trop rapides. Et si vous rentrez maintenant dans les rues avec des chars comme le Tigre 1 ou le Panther, vous allez être vraiment mis à mal. Le temps de réaction est beaucoup trop lent. Les tourelles ne réagissent pas assez vite, les rotations sont trop lentes. Et vous vous faites surprendre rapidement. D'ailleurs, il arrive tellement vite qu'il se prend la maison. Donc ça, c'est impeccable pour moi. J'avais plus qu'à le tirer sur le côté. Donc là, dans ce genre de... Il y en a même un deuxième qui était là un petit peu en retrait. Donc là, j'attends toujours un petit peu. Je fais le ménage autour des rues. Et j'attends le bon moment pour passer à l'action carrément dans le centre de la ville. Mais il me semble plus logique d'essayer de détruire tous les ennemis qui vont circuler tout autour, puisque eux ils sont très rapides, ils ont le temps de circuler largement autour de la zone. Donc faites d'abord le ménage, moi je vous le conseille, parce que les chars allemands dans ce genre d'environnement, dans des rues serrées comme ça, c'est vraiment pas le meilleur pour les utiliser. Et c'est pour ça que souvent dans les parties on perd trop vite les alliés quand on joue avec les Allemands, les joueurs ont tendance à trop y aller directement. Ils se font très vite détruire par des chars beaucoup plus rapides et finalement qui sont tout aussi dangereux au niveau de la force de frappe, parce que le M18, mine de rien, ils ont quand même des bons canons, ces petits véhicules, et régulièrement vous vous faites surprendre et c'est vraiment difficile de tenir. Donc franchement, je vous conseille au départ de pas trop vous aventurer à l'intérieur des rues. Faites plutôt les tours de la carte, de par la droite ou la gauche. De toute façon, vous allez rencontrer des ennemis qui circulent plutôt sur les bordures au départ. Et ensuite, vous pouvez attaquer l'intérieur. Mais franchement, vous précipitez pas, parce que vous ferez pas long feu, c'est clair et net. Surtout sur cette carte, elle est vraiment, vraiment
piégeuse et je vous dis, soyez patient, faites le nettoyage autour et ensuite progressez, mais prenez votre temps parce que sinon vous ferez vraiment pas longtemps dans la partie, ça c'est clair. Donc là à ce moment là je vais un petit peu stationner ici puisque là en plus de ça vous voyez j'ai quand même plusieurs ennemis qui sont déjà sur le flanc droit. Donc là j'ai encore un M18 là qui va apparaître. Donc là je m'étais décalé puisque j'arrivais pas à le cibler. Donc c'est bien, ça l'a obligé à se déplacer et finalement j'ai pu remettre la main dessus. Donc là dans la partie il y aura beaucoup de M18. Hein. C'est clair qu'on voit que les joueurs qui jouent les Américains adorent ce char. Hein. C'est vrai qu'il est plutôt efficace. Donc là vous allez voir que je vais en détruire plus d'un. Donc là, en plus de ça, je suis pas très loin hein, du secteur où il y a les points. Vous voyez, je suis vraiment en bordure. Mais j'ai bien fait d'attendre parce que c'est clair qu'il y a quand même pas mal de monde finalement de ce côté-là. Même si on a l'impression qu'on n'est pas aussi actif qu'on pourrait le vouloir, ça permet quand même de temporiser un petit peu et de se retrouver dans l'action au bon moment. Donc là, il y en a un autre qui arrive tranquillement. Vous voyez, là, il n'y a pas de stress. Je suis quand même un petit peu bon là, il y a ce côté-là, le côté gauche, il faut quand même jeter un œil parce que je suis vraiment en sortie de rue là, donc il faut quand même regarder ce qui se passe. Mais là, on voit que finalement, il s'intéresse surtout à ce qui se passe au milieu, donc il passe par les côtés, mais sans trop regarder finalement. Donc là, je peux m'occuper de tranquillement. Donc là, à ce moment-là de la partie, c'est clair qu'ils ont déjà capturé toutes les zones. Donc là, il y en a un autre M18, ouais, il n'y a que ça, hein, que du M18. Donc là, il sait pas du tout à mon avis d'où le tir est venu là, parce que là il va stopper ici. Donc là j'ai plus qu'à l'achever, il n'y a pas de problème. Bon, bah évidemment ces chars là n'ont pas de blindage, alors c'est vrai que c'est facile à s'en débarrasser. Mais faut-il encore être le premier à tirer, parce que franchement la puissance de feu du M18 vous détruit rapidement. Donc vraiment il faut être prudent avec ce genre de véhicule. Donc là il y en a un autre ici. Donc là, il loupe son coup, mais je vais attendre qu'il sorte au mieux. Et là, j'ai un petit Sherman qui vient me prendre à partie pendant que j'étais occupé avec le M18. Donc là, je suis dans un faux croisé, donc là, il faut que je recule. Bon, voilà, de toute façon, lui, en plus, il reste complètement en travers. Donc là, c'est impeccable, terminé pour le Sherman. Donc là, je vais continuer à me mettre en retrait. Parce que là, je l'ai un petit peu perdu de vue dans les arbres. Malheureusement pour moi, il va y avoir un deuxième char qui va arriver, il va y avoir un petit M24 qui va arriver. Mais je vais pas le voir tout de suite. Donc là, pour l'instant, j'essaie de me mettre le plus possible à l'abri. Donc là, je vais réussir à toucher correctement le M18. Donc là, il va tirer, je vais voir qu'il est juste là, là. Voilà, il est ici. Donc là, ben, un bon coup critique. Donc là, à ce moment-là, je voulais me débarrasser de lui. Mais là, vous voyez, je viens de prendre un coup sur le côté. Et là malheureusement j'arrive pas à voir où il se trouve exactement. En plus de ça, bon bah finalement dans les buissons ça me bouche un petit peu la vue. Je pensais que j'arriverais à me dissimuler un petit peu le temps de réparer, mais j'ai pas. Ouais, il était très près en fait, vous voyez, j'ai complètement sous-estimé la distance. Mais je le voyais pas, donc bon bah là c'est dommage. Je perds mon char, mais bon, on va repartir avec un deuxième. Et là malheureusement l'aviation va commencer vraiment à faire des dégâts, vous allez voir. Donc là je me dépêche pour revenir très vite dans la zone boisée, parce que là regardez la sortie de spawn, vous avez quand même toute une série là de collines à découvert, et c'est vraiment vraiment critique à cet endroit là. Donc là je vais essayer de gagner le plus vite possible les petits bois là, mais bon en plus de ça c'est un faux plat, donc là le tir est ralenti la cadence. Et là l'aviation ennemie là, il commence à se faire plaisir. Là honnêtement, avec les Américains, c'est vrai que les chasseurs au sol là, ils font des dégâts. À basse altitude, avec toute leur série de roquettes et leurs bombes, etc., ils font vraiment mal. C'est vrai que pour ça, les Américains sont très forts là, au niveau de l'aviation. C'est vraiment compliqué. Donc là, vous voyez, je mets tout ce que je peux. Hein, si j'envoie les chevaux là, pour que le tigre il accélère le plus vite possible. Et je vais quand même être touché par une frappe aérienne et je vais m'en sortir par miracle, parce que vous allez voir les dégâts vont être énormes. Il va me rester que deux hommes d'équipage. J'ai eu vraiment du cul m'en sortir. Franchement je pensais que j'étais détruit et ça n'a pas été le cas. Donc là bah, grosse réparation, 50 secondes, il me reste deux hommes. Ah c'est terrible hein, quand vous devez réapparaître comme ça à ce moment là de la partie, c'est cool. Et puis là vraiment je suis à la merci, hein, vous voyez, je suis pas vraiment dissimulé.
Il y a pas mal d'avions ennemis qui tournent. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment quitte ou double. Hein. C'est soit ils me voient et ils me détruisent tout de suite, ou alors ils vont s'attaquer à quelqu'un d'autre. Là, c'est vrai qu'il y a le facteur chance qui fait que bah, vous l'êtes ou pas détruit. Parce que là, je peux plus bouger. Donc on voit qu'ils sont en train de s'acharner sur mes coéquipiers. Donc bon, bah, finalement, on va dire que j'ai eu de la chance quand même, parce que je vais réussir à repartir. En plus, il avait passé à rien. C'est dommage, à la limite, si j'avais tourné la tourelle, j'aurais peut-être pu le détruire, parce qu'il est passé vraiment très près. Ça m'aurait fait plaisir d'en détruire un. Mais bon, j'avais pas anticipé le truc. Donc là, ça y est, j'arrive au bout de la réparation. Mais vous voyez quand même, j'ai plus deux hommes dans le char, hein, c'est pénible. Mais bon, on va repartir au combat avec. Et vous allez voir qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Donc là, le secteur est quand même assez en difficulté pour nous. Ça va être vraiment difficile pour la reprendre, la partie. Donc là, il y a encore un M18, d'ailleurs, il n'y a que ça en face. Hein, c'est vraiment le char qu'ils utilisent vraiment dans cette catégorie. Donc là, j'ai été touché par un avion. Et je vais quand même réussir à remettre un coup dans le M18. Allez, allez, allez. Voilà, terminé. Donc on repart pour encore des réparations. Hein. C'est vraiment c'est pénible, hein, l'aviation, hein, franchement. Pourtant j'ai des alliés dans le ciel, hein, mais bon. C'est vraiment compliqué. Bon. Là, je m'en sors encore une fois. Vraiment, c'était une partie. Finalement, j'avais de la chance avec moi, parce que les attaques comme ça, d'habitude, c'est clair que ça s'arrête assez vite. Donc là, là, je vais vraiment m'enfoncer dans les bus, moi. Croyez-moi que je vais rester le plus possible planqué là-dedans. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu énervant, parce que ça limite votre champ d'action. Je serais rentré bien plus tôt dans les rues si j'avais la possibilité. Mais à ce moment-là, franchement, si je m'étais approché d'une zone, il y a trop d'aviation ennemie qui font le ménage. Et ça m'a vraiment pas donné envie d'aller prendre le risque de me faire encore détruire. Donc là, il y a encore un M18 là-bas. Donc là, je vais attendre le bon moment qu'il se déplace, parce que là, il est derrière la crête. Là, en plus de ça, c'est clair que là, il m'a pas repéré du tout, donc c'est parfait. Donc là, à ce moment-là, je l'ai un petit peu perdu de vue. Donc là, vous voyez, je suis quand même assez dissimulé. Là, à ce moment-là, ça, on va dire que c'est à peu près correct. Là, il est là. Donc là, j'ai tiré un petit peu au petit bonheur la chance, parce que c'est vrai que je l'ai perdu dans les buissons. J'avais estimé à peu près à vue d'œil le déplacement, donc vous voyez, je suis tombé pile dessus, donc là ça fait quand même plaisir. Encore un de moins. Donc là pour l'instant je fais quand même je fais le boulot, hein, le tigre, et finalement je nettoie quand même pas mal d'ennemis depuis tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal. Mais vous avez vu notre barre, comment elle est descendue, les tickets, on a quasiment plus rien. On a quand même repris deux zones sur trois. Donc c'est acharné quand même, hein, les coéquipiers jouent correctement, ils lâchent pas. Finalement l'ennemi a du mal à venir à bout de nous. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'on avait des joueurs qui tenaient bien la route. Donc là je vais commencer à essayer d'intervenir directement dans le centre de la ville. Donc là toujours, hein, je vais rester le plus possible sous les arbres jusqu'à ce que j'arrive dans les faubourgs. Après évidemment, une fois que je suis dans les rues, bon bah la protection elle va être plus allégée, mais bon, de toute façon il y a un moment où il faut quand même intervenir. Parce que sinon la partie elle risque pas de basculer. Donc là, je pense que je suis pas mal camouflé. Donc là je stoppe un petit peu, j'essaie de voir si des ennemis sont dans le coin là. Parce que c'est vrai que ça peut sortir à tout moment là. Donc là ça va devenir vraiment tendu. Même si en face finalement ils sont plus aussi nombreux que ça non plus. Mais comme ils ont des véhicules beaucoup plus rapides que nous, c'est vrai que l'effet de surprise, c'est toujours plus compliqué de s'en sortir. Ah, c'est vrai que les Allemands pour ça, voilà. Ils sont quand même compliqués à jouer dans ce genre d'environnement. Et je pense que le fait qu'on perde si souvent les parties, comme je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs ont tendance à y aller trop vite. Et ils sous-estiment finalement l'ennemi qui est rapide et assez puissant. Et nos chars qui sont quand même assez lents et des rotations de tourelles qui sont vraiment à la peine, font pas le poids dans des combats comme ça, rapprochés en ville. Une fois que vous êtes pris à partie, franchement, vous allez avoir vraiment du mal à vous en sortir. Et moi, j'incite vraiment les gens qui jouent la nation allemande à ralentir le rythme. C'est pas grave, de toute façon, au départ, même si l'ennemi prend les zones, il y a un moment, l'ennemi, il va circuler, puisqu'il va essayer de venir vous chercher. Et puis, il va pas rester au même endroit toute la partie. Donc, il vaut mieux laisser venir un petit peu, parce que s'aventurer comme ça, bien souvent, ça finit mal.
Mais bon, après, ça c'est voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Je pense que si la plupart des joueurs étaient un petit peu plus prudents et regardaient un petit peu plus avant de s'aventurer, ils feraient plus longtemps dans les parties avec leur véhicule et ils se feraient moins détruire aussi vite que la plupart du temps ça se passe. C'est clair que je perds énormément de parties avec les Allemands, ça c'est une certitude. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, à ce moment-là, comme on est sur le secteur qu'on a capturé, je me suis dit il y a peut-être un ennemi qui va essayer de revenir. Bon, en même temps, je veux pas trop rester longtemps ici puisque je suis pile poil sur une zone. Donc si l'aviation passe dans le coin, évidemment ils vont me détruire en priorité. Donc je vais essayer d'avancer. Donc là, je vais essayer de remonter sur le point le plus près du spawn ennemi pour essayer d'aider mes coéquipiers. Donc, à ce moment-là, vous voyez que je rencontre plus trop d'ennemis quand même. Hein, donc, alors c'est vrai qu'on devient un petit peu paranoïaque, on a l'impression qu'ils sont tapis dans un coin à vous attendre à un croisement de rue. Donc là, je stoppe ici pour voir si ça sort du bout là-bas. Et c'est pas vraiment le cas. Donc là, pas d'ennemis. On va pouvoir continuer à progresser, mais cette fois-ci, je vais être obligé de faire demi-tour puisque. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, on a quand même les trois zones. Quasiment prise. C'est vraiment, ça va jouer à pas grand chose hein, cette partie. Ce qui va nous perdre, c'est qu'ils ont fait beaucoup de dégâts avec leur avion. Donc nos tickets ont pris un sacré coup du coup. Et c'est ça qui va nous empêcher finalement de remporter la victoire. Mais on va quand même se battre honorablement, on va dire. Donc là, ils ont repris le point A. Donc là, je vais retourner essayer de le reprendre. Parce que là, finalement, ça va jouer sur les points de capture maintenant. Donc là, il faut absolument essayer de recaper le plus vite possible. Donc là, je vais retourner sur A. Donc là, toujours avec l'impression qu'un ennemi va vous tomber dessus à tout moment. Ah, c'est vrai que cette carte, franchement, elle est bien. Hein, elle est bien faite. Mais ce qui manque, c'est l'ambiance, comme je le disais, l'ambiance hivernale. Un peu de neige, un peu de brouillard, un ciel gris, on est loin de tout ça là, regardez-moi ça, il fait un beau ciel bleu, ça gâche vraiment, hein, encore une attaque d'avion qui échoue, ça gâche l'ambiance de cette bataille, en tout cas de cette période sur les Ardennes, c'est vrai que si ça avait été fait de ce sens-là, on aurait été plus en immersion dans l'esprit de la bataille des Ardennes, ça a vraiment été sympathique. Donc là finalement, vous voyez, je n'en sors pas. Et puis vous voyez, maintenant, ils n'hésitent plus à se cracher avec leurs avions. On a l'impression de se retrouver en arcade. Là, ça vraiment, ça me fait chier de voir des joueurs qui font ça. C'est vraiment des chiasses, hein. Faut le dire, hein, clairement. Donc là, je vais les aider. Là, il y a le coéquipier qui est en difficulté sur le secteur. Là, on voit que l'avion s'est écrasé sur lui. On voit encore les flammes. Et là, il y a un petit véhicule américain. Là, je sais plus ce que c'est. Alors, viens par ici, toi. Voilà. Terminé. Ah, c'est celui qui m'avait détruit tout à l'heure en plus de ça. Donc j'ai ma petite vengeance, c'est impeccable. Donc bah là, le secteur est repris, mais bon, vous voyez que là-bas, hein, c'est trop tard. Hein. C'est fini, là, on n'arrivera plus à faire la différence. Dommage. Bon, bah on s'est quand même bien battu. C'était une partie assez intéressante. En tout cas, ça montre bien que quand vous jouez ce genre de char avec les Allemands et dans un milieu urbain assez compliqué comme celui-là, et ben vaut mieux y aller mollo et puis vous voyez que finalement ça se passe pas si mal. Mais le problème, c'est toujours l'aviation qui fait vraiment vraiment mal, qui fait que la partie, bah, vous allez la perdre, c'est quasiment sûr. Ça, c'est clair que c'est vraiment une grosse difficulté à surmonter. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le Tigre 1 finalement se comporte encore correctement. Hein. Il suffit juste d'être prudent avec. Mais c'est vrai que la force de frappe est là. Il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà. En tout cas, c'est terminé pour la thématique aujourd'hui historique et sur la bataille des Ardennes. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.